J'inviterai maintenant Monsieur le député de Deux-Montagnes. Oui, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de déposer l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 9609 pétitionnaires. Désignation, citoyens et citoyennes du Québec, les faits invoqués sont les suivants. Considérant que plus de 85 % de la population du Québec s'oppose à la monarchie, considérant que la fonction de lieutenant-gouverneur symbolise un pouvoir colonial, archaïque et désuet, considérant que le lieutenant-gouverneur détient des pouvoirs de désaveu et de renvoi, contraires aux valeurs d'une société démocratique, considérant que le lieutenant-gouverneur a déjà, dans l'histoire du Québec, exercé ses pouvoirs ou envisagé de les exercer, considérant qu'il en coûte plus de 1 million de dollars par année aux Québécois et Québécoises pour financer cette fonction, considérant que cet argent pourrait être investi ailleurs dans les missions essentielles à l'État québécois, et l'intervention réclamée se résume ainsi, les sous-signés demandent à l'Assemblée nationale de prendre, aussitôt que possible, les mesures visant à abolir le poste de lieutenant-gouverneur. Je certifie que cet extrait est conforme au règlement et à l'origine de la pétition, M. le Président. Alors, l'extrait de cette pétition est déposé.